Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base, que je pensais pas tourner aujourd'hui, parce que cet après-midi je devais aller à l'auto-école pour faire 2 heures de conduite, mais ça a été annulé. Du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour vous tourner une petite vidéo. Et comme j'ai plein de petits trucs à faire cet après-midi, un peu créatif, un peu avant la rentrée, parce que moi je rentre vendredi, je filme cette vidéo, nous sommes actuellement le lundi, et je vais à l'école vendredi. Donc avant de rentrer j'avais plein de petits trucs à faire, et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer tous ces petits trucs, mais en même temps, pour pas que ce soit trop chiant, vous faire une sorte de petite playlist, mais pas gênant, genre en mode je suis seul devant la caméra en train de chanter, c'est un peu gênant. Du coup je me suis dit que vous allez m'accompagner durant mon après-midi en musique. C'est parti. Donc pour commencer, je dois finir de peindre une paire de chaussures que j'avais commencé à customiser. Si vous avez vu ma vidéo sur le cyanotype avec ma chemise, vous avez parlé d'une paire de chaussures, c'est celle-là. Il faut que je finisse de la peindre. Et quand je retournerai à l'école, il faudra que je réussisse à trouver une boîte pour les ranger dedans. Et je pense que je la customiserai aussi pour accompagner ce travail-là, ça peut être cool. Bon ben c'est parti hein. Hop, oui c'est ça. Ça, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc voilà, j'ai tout préparé. Oui, c'est ça, les petites chaussures. Donc je repeigne en fait toute la semelle autour et le dessous. Et que je repeigne aussi à l'intérieur. Parce qu'elles étaient pas blanches, elles étaient roses. Et on va faire tout ça en musique. C'est parti. Alors déjà, on va connecter le téléphone à l'enceinte. Faudrait l'allumer, mais ce serait pas mal ça. Voilà. Oh, direct connecté, c'est bon. J'aime trop cette enceinte, si elle s'allume. On va mettre quoi comme première musique? Alors j'ai fait une playlist sur Spotify justement de tous les sons que j'écoute en septembre. Du coup là c'est pas mal, ça me permet de vous les partager. Je vous mettrai le lien de la playlist si vous voulez la retrouver. On va commencer par... Suzanne. Salut, bonne meuf. Déjà je vais enlever les lacets. Alors je sais pas si vous connaissez Suzanne, c'est une chanson qui s'appelle SLT. Donc c'est l'abréviation de Salut. Et elle parle du harcèlement de rue, de tout ce que peuvent subir les femmes dans leur vie quotidienne en fait. Et Suzanne, c'est une artiste que j'écoute beaucoup. Ça doit faire peut-être 1 ou 2 ans que je l'ai découverte. Et cette chanson, c'est une de mes préférées parce qu'elle est très crue. Elle parle de choses vraies qui font presque du mal à entendre. Hey, salut l'ami, c'était vraiment très sexy. On pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombée direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma tub et un cœur bleu. Et j'ai jamais eu la chance de la voir en concert. J'aimerais beaucoup. Parce qu'en live, vraiment, elle envoie. J'ai regardé son live aux Vieilles Charrues. Et vraiment, c'était génial. J'avais l'impression d'y être complètement. On se voit qu'elle se donne à fond. Et du coup, pendant ce live des Vieilles Charrues, j'ai pu découvrir d'autres chansons qu'elle a pas sorties encore en single. Donc en live, j'aime aussi beaucoup Madame à demi. Madame à demi ne vit qu'à mi-temps. Elle a toujours fait semblant. Madame à demi voudrait dire bonbon à son stress, stress, stress. On sent vraiment qu'elle incarne le personnage. Et c'est ça qui est génial. Elle emporte vraiment tout le monde avec elle en live. C'est un truc de dingue. Alors je pense que cette chaussure là c'est bon, on se thérapie, c'est vraiment une couche de finition quoi. Faudra que je peigne l'intérieur après, mais je vais attendre que le dessous soit sec pour que je puisse peindre l'intérieur tranquillement. Non, moi ça m'a l'air bon. Donc je vais la laisser sécher sur le côté. Je vais m'attaquer à la deuxième du coup. Une chose que j'aime beaucoup aussi chez Suzanne, c'est le fait en fait qu'elle incorpore de la danse. J'ai vu dans une interview qu'elle disait que la danse, en tout cas quand elle était en live, c'était quelque chose de très spontané, qu'elle improvisait beaucoup. On sent vraiment qu'elle se laisse porter sur le moment, par la musique, par la foule. On sent que pour elle c'est un bonheur immense d'être sur scène. J'ai jamais eu la chance encore de la voir en live et j'aimerais vraiment beaucoup. Voir les artistes en live c'est ce que je préfère parce que c'est là qu'on se rend compte qu'ils dégagent vraiment quelque chose. Ça permet aussi d'entendre la chanson d'une autre manière finalement. Ça résonne pas de la même manière en live qu'en version enregistrée. Donc j'espère très vite voir Suzanne en live. Donc là, la semelle de celle-ci, elle est, pour moi elle est bonne aussi. Après il faudra que je le fasse plus tard aussi, reprendre tout ce qui est là, tous les petits trous, passe les lacets en fait, et voir un peu sur les bords, les coutures en fait. Parfois on voit encore un peu la couleur apparaître, mais ça c'est vraiment des finitions quoi. Ok, on va attendre que celle-ci sèche aussi. Bah du coup faut que j'attende que ça sèche. En attendant on va peut-être se mettre une autre petite musique là. Qu'est-ce que je peux mettre? Ah je sais, donc c'est Nouria de Fouet, mais la version remix. En fait je trouve ça pas mal de vous faire une playlist et de vous parler aussi un peu du ressenti que j'ai pour les artistes. Parce que quand j'écoute une chanson, quand je suis un artiste, j'aime connaître vraiment tout l'univers de l'artiste. Et Fouet, donc il a sorti son premier album Il, là apparemment il est en préparation du deuxième je crois. Et j'ai eu la chance de le voir en concert. Il a dû en profiter. Au novembre 2018.
2018 à Arles, dans une salle de concert qui s'appelle Le Cargo. Et en fait, il n'était pas réellement annoncé. Ils ont fait un système en fait qui s'appelle les concerts mystères, c'est-à-dire qu'il y a un artiste qui vient, mais on ne sait pas qui c'est. J'avais vu heureusement sur l'Instagram de Fouet qui disait qu'il venait à Arles. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et j'ai regardé sur le site du Cargo et j'ai vu que c'était un concert mystère, j'ai fait. Et du coup, j'ai pris direct ma place et j'y suis allée avec ma maman, qui adore aussi Fouet. Et le concert était vraiment super, on était dans une toute petite salle, hyper intimiste finalement. Et en concert, pareil, il envoie quoi. Et pareil, on voit que vraiment, il a une présence scénique. Je trouve ses textes vraiment magnifiques. Il a une voix extrêmement puissante aussi. Et pareil, c'est comme Suzanne, c'est une façon de raconter, une façon de chanter les mots, qui est bien spéciale, et qui, moi, me touche énormément. Et Nouria, c'est... Quand j'ai écouté l'album en entier, Nouria a de suite été ma préférée. Il l'avait chanté d'ailleurs aux Victoires de la Musique, parce qu'il avait été nommé aux Victoires de la Musique. Sommes-nous vieux quand on ne voit plus le temps? Face à des artistes immenses comme Angèle. Évidemment, c'est Angèle qui a gagné, quoi. Mais ça prouve un peu le niveau. Et vraiment, j'aimerais beaucoup le revoir en concert. Peut-être quand il aura sorti son deuxième album. Pour ça, faudrait qu'il revienne dans le sud. Clin d'œil, clin d'œil. Et ses clips aussi sont, comme Suzanne, sont géniaux. En général, quand j'aime un artiste, j'aime à peu près tout ce qu'il fait. Aussi bien au niveau texte, musique, voix, univers, esthétisme, clip vidéo. Un de mes clips préférés de Fouet, c'est Running. J'adore cette image en fait avec l'ombre du soldat qui court et quelque chose de très simple, la couleur rouge qui est vraiment hyper prononcée, qui montre un peu le côté grave de la chanson. Donc voilà, Suzanne et Fouet pour l'instant, c'est les deux artistes que je vous conseille et je vous invite vraiment à vous les ajouter dans votre playlist, ils sont vraiment cool. Sinon, en attendant que ça finisse de sécher, parce que là c'est toujours pas sec, je pense que je vais attaquer un autre truc que j'ai à faire, parce que sinon je vais pas avancer. Et on continue en musique. Donc bon, en attendant que ça finisse de sécher, je vais attaquer un autre truc à faire. Bon, encore de la peinture. Parce que j'ai besoin encore de faire des tests pour des futurs projets à la rentrée. Et là, c'est l'occasion. Ah, on va mettre la musique avant de commencer. Alors... On va mettre Marina, c'est cool. Marina Kay. Ceux qui me connaissent très bien savent que c'est ma chanteuse préférée, clairement. Qu'on se le dise, c'est ma chanteuse préférée. Je fais exprès de mettre en grande couche. Hein. Je fais exprès de mettre beaucoup de matière. Non, je pense que c'est un gros fail. C'était mieux ce que j'avais fait hier. Non, vraiment, c'est pas ouf. Non, c'est vraiment pas ce que je veux. Bah ça, du coup, c'est pas bon. Enfin, hier, j'avais déjà fait un premier test. Et c'est vraiment ce que j'ai fait hier qui me convient le mieux. C'est pas ce que je veux. C'est pas du tout le rendu que je veux. Au moins, je suis fixée. Bon, on va laisser sécher ça aussi, hein. Donc j'ai essayé de gratter en fait avec un couteau, là ça se voit à peine en fait. J'ai voulu reprendre les formes que j'ai là, des petits morceaux de photos, parce que je voulais travailler la forme. Mais vraiment, là on ne voit pas du tout à la caméra, et en vrai pratiquement pas non plus quoi, même si on se rapproche. En fait, il faut que je mette une sous-couche d'une autre couleur que le noir en dessous, pour vraiment qu'on voit quand je gratte la différence. Regardez par exemple dans mon carnet, donc là où je mets toutes mes idées, j'ai fait ça hier. Donc hier, en fait, j'ai fait ça. Et on voit vraiment la différence. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que ça, quoi. Donc vraiment, non, je vais garder ça. Donc je vous avais mis tout à l'heure une chanson de Marina Kay. Donc j'ai écouté Miracle et Armor, qui sont mes deux préférés de son deuxième album. Ceux qui me connaissent savent, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Marina Kay est ma chanteuse préférée, vraiment. J'ai eu la chance de la voir 6-7 fois en concert, je crois. Quelque chose comme ça. Yeah.
donc sur le Fearless Tour et l'Explicit Tour. Et vraiment, mon préféré des deux, ça a été l'Explicit Tour. Ça a vraiment été ma tournée préférée parce qu'il y avait déjà beaucoup plus de chansons à écouter en live. On voit aussi qu'elle a pris beaucoup plus d'assurance sur scène. La voix est toujours impeccable, comme à chaque fois, vraiment. Et la particularité aussi de cette deuxième tournée, c'est qu'on était assis la majorité du temps. Il n'y avait pas de fosse, il n'y avait pas de place debout. On avait chacun notre place assise. Et personnellement, j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable que d'être debout par rapport à la première tournée. Parce que c'est le genre de musique que j'aime apprécier, que j'aime écouter. J'adore écouter sa voix, les instruments, regarder toute la mise en scène, les jeux de lumière qu'il y a. Donc j'espère vraiment que sa troisième tournée sera plus dans ce sens-là et qu'on aura aussi des places assises et pas de place debout. Parce qu'en plus, je pense que son public n'est pas vraiment fait pour ça. Je pense que son public est un public plus averti, un peu plus mature et qui préfère être assis. Après aussi, normalement, son troisième album ne devrait pas tarder à sortir. Déjà, là, on est lundi. Mercredi, il y a un nouveau single qui sort de son tout prochain album. Et vraiment, là, j'en peux plus. J'ai hâte de l'écouter, vraiment. Connaissent pas Marina ou qui pensent ne pas la connaître, parce que la majorité du temps les gens connaissent une de ses chansons, donc qui est Homeless, mais ne savent pas qui chante cette chanson. Donc si vous l'écoutez, je suis sûre que vous direz mais oui, je connais. Donc je vous invite vraiment à écouter ses autres chansons parce qu'elle en a plein d'autres dans ses albums. Faut vraiment écouter ses albums en entier. Bon, je pense que là je vais me réattaquer aux chaussures parce qu'il faut que je finisse de peindre l'intérieur. Non, donc c'est parti cette fois-ci pour l'intérieur de la chaussure. Cette fois-ci comme musique, on va mettre Aum. Donc Aum, c'est trois sœurs que je suis finalement depuis un petit moment déjà, mais de loin. Je m'explique. En fait, comme je vous le disais, donc je suis fan de Marina, et lors de sa première tournée, elle avait un batteur qui s'appelait Paul Rosy, batteur que je suivais sur Instagram. Et il se trouve que Paul Rosy a travaillé avec Aum. C'est leur producteur, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, à chaque fois qu'elle sortait un cover, parce qu'elles ont commencé par des covers, ils le mettaient sur Instagram, ils mettaient son travail avec elle, ils montraient l'avancement de leur projet, et donc je voyais ces covers, et j'aimais déjà beaucoup. Jusqu'au jour où elles ont sorti leur premier single, qui s'appelle 1000 couronnes, que j'ai trouvé génial. Je n'avais jamais vu le clip, franchement, je l'ai vu il y a pas longtemps. J'ai pas encore eu la chance de les voir en concert, j'aimerais beaucoup. Et elles ont pas sorti d'album encore, elles ont sorti que des singles. Là, le dernier en date, c'est Seul à Seul. Qu'on soit seul. Que je trouve dommage, c'est qu'on les voit pas assez à la télé. Je trouve ça vraiment dommage. Je les ai vus qu'une fois à la télé, c'était pour la chanson de l'année à Nîmes, et elles mériteraient beaucoup plus de visibilité en fait. Enfin, vous attendez quoi les chaînes de télé là? Et c'est là qu'on se dit que les réseaux sociaux sont vraiment importants. Donc je vous invite, comme tous les autres artistes dont je vous ai parlé jusqu'à présent, à aller écouter ces trois sœurs qui chantent extrêmement bien, que j'apprécie beaucoup, que j'espère voir en concert, et j'attends surtout la suite. On attend l'album. Alors, il me reste que deux trucs à faire. J'ai plus qu'à noter dans mon carnet le résultat de cette chose, et à compléter certaines idées que j'ai et qu'il faut que je note dans mon carnet, comme ça je suis sûre de pas les oublier en fait. Et pour accompagner tout ça, je vais mettre une chanson qui n'est pas d'une chanteuse, en tout cas je crois pas que ce soit son but, je crois pas que ce soit le métier qu'elle souhaite faire plus tard, mais c'est Ça déménage de Lou Deb. Je vous demande pardon car je déménage. Oh putain de merde, je déménage. La société m'énerve. Un moment je vais tout casser. J'ai vu beaucoup de critiques dans les commentaires de sa vidéo où les gens étaient très surpris en fait. Et je pense que les gens s'attendaient pas à ce qu'elle sorte une musique. Et c'est vrai que moi aussi, en tout cas à la première écoute, j'ai trouvé ça un peu étrange. Et en fait je trouve ça génial parce que c'est complètement décalé. Et c'est une musique que je trouve hyper douce. Et j'adore cette chanson. On voit vraiment qu'elle s'est fait un kiff et on voit qu'elle a pris plaisir à faire ça. Donc franchement, moi je suis pas d'accord avec les commentaires des gens parce qu'il y en a en plus des fois ils sont méchants. Et franchement, moi je trouve ça super bien. Parce que vraiment faut oser quoi. Et franchement c'est plutôt bien réussi. C'est pas le bazar par hasard. Je compte les moutons de ma ville. Je vais mal dormir ce soir. 1, 2, 3, 1000, 10 000, 100 000, 8 milliards. J'en ai marre donc partout. Partout, partout. Il me décompte partout. Partout, partout. Alors je déménage. Excusez-moi, je déménage. Bon les gars, il me reste qu'une seule chose à faire.
mon montage qui est juste derrière, dans ma prochaine vidéo. Donc je pense pas que ce sera très intéressant pour vous, étant donné que je peux pas trop vous montrer l'image. Mais on va terminer la vidéo comme le reste, en musique, avec Angèle. Expliquer pourquoi j'aime les musiques d'Angèle. Toutes ses chansons sont super, ses clips sont géniaux, elle est géniale sur scène, je vais la voir à Marseille au Dôme. Elle dégage une énergie de dingue, elle a un univers qui est complètement à elle. Et vraiment, moi chacune de ses chansons je les kiffe. J'écoute l'album en entier, il n'y en a pas une qui me plaît pas. J'adore regarder aussi ses lives sur YouTube. Elle avait fait un Colors avec Taren, c'était juste super. Mais tu voudrais... Ou alors elle avait fait une session pour Vevo sur Flou. Tout est devenu flou. J'en ai bien peur, la suite, on veut. Elle dégage un truc de dingue, même en vidéo, c'est incroyable. Elle a aucune remarque à faire, elle a tout compris. C'est parfait. Bravo. Bon les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré passer cet après-midi avec vous, c'est passé plus vite finalement. Parce que j'avais plein de petits trucs à faire, que je remettais souvent au lendemain. Et là ça m'a permis de les faire en plus en bonne compagnie et en musique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, quelle autre vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne, pourquoi pas. N'hésitez pas à me mettre un like pour me dire que vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne louper aucune prochaine vidéo. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !